on est tous dans le même sens, hein, Gérard, attention à ton demi-tour, t'as les autres qui arrivent en face. Donc la partie de foot se termine pendant ce temps-là sur la partie droite du bassin. Voilà, ça va mieux. Sur la partie droite du bassin, vous avez les vapeurs. Donc ce sont des bateaux qui sont uniquement propulsés par un petit moteur vapeur. Donc il y a une chaudière, un brûleur, une chaudière pleine d'eau évidemment. Le brûleur fait chauffer l'eau, l'eau se transforme en vapeur. La pression monte, arrivée à 1,5 bar, voire 2 bars. La pression est suffisante pour entraîner le moteur qui lui-même entraîne l'hélice. Et le bateau avance tout seul, comme les vrais. Donc passe devant vous, là-bas au fond, le remorqueur de Seine noir avec sa cheminée blanche et rouge, c'est le Jacques. Le Jacques est un remorqueur de Seine, l'original est un remorqueur de Seine fait en 1904. Il est toujours pas en activité, on pourrait dire, mais fait l'église toujours. Il appartient au musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine. Il est visible à Conflans à partir d'un plan bateau modèle agrandi. Le plan original était au 1,25e, le bateau est au 1,20e. Passe devant moi, là, juste devant le Flying Tempest, qui est un kit anglais, et le modéliste l'a adapté pour mettre dedans un moteur vapeur aussi. Là, c'est un double cylindre, le gaz TVR1A, le même moteur qui équipe à la fois le Jacques, le petit Tanteo derrière, et le gros Tanteo là-bas au fond. Ce sont des moteurs bicylindres de 8 cm cubes d'origine américaine, qui ont été achetés en kit, tout usinés et montés et assemblés par les modélistes, pour leur, la plupart pour, d'ailleurs pour leur premier moteur vapeur. Donc passe devant moi le petit bateau, un petit Lanteo, qui est un remorqueur de haute mer italien des années 1930. C'est un kit Amati Panhard. Il est à l'échelle du 1/30e. Il est donc équipé aussi pareil du même principe de chauffe au gaz avec une chaudière et son petit moteur de 8 cm3. Devant moi le même modèle mais à une échelle un peu plus grande.